Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va se faire un entraînement maison, spécial poids de corps et un peu de front lever. D'accord? Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de front lever. Parce que je vais pas te mentir, j'ai abandonné deux fois à front lever. J'ai abandonné une première fois parce que le mouvement était difficile de fou. Mais j'ai abandonné une deuxième fois parce que voilà, c'était une période où je travaillais en tant que salarié dans l'entreprise où je bossais et aussi pour mes clients en vidéo, tu vois. Ça veut dire que je pouvais presque rien faire. Donc c'était assez compliqué. Mais là, on va essayer de faire les choses bien et faire du poids de corps et front lever. Là, il fait froid de fou, d'accord? Il est 15h, on est en avril, il fait froid. Je suis obligé de mettre mon manteau pour aller au ski juste pour aller dans le garage pour m'entraîner. C'est incroyable. Vraiment. Et aussi, petite note à savoir, cette vidéo est tournée en 4K, enfin en C4K, puriste, d'accord? Et aussi avec mes objectifs que j'utilise pour filmer mes clients. Parce que je me suis dit, bon, il est temps de mettre un peu de qualité dans mes vidéos, il est temps de filmer comme si je filmais un client pro, d'accord? Ça va peut-être prendre un peu plus de temps au montage, mais au moins l'image sera belle et tu pourras profiter de cette qualité de training. Allez, c'est parti, on y va. On va s'échauffer un peu avec du développé incliné tranquillement, en léger, il y a 30 kilos, donc ça va. On va faire quelques séries de 15, histoire de bien s'échauffer et de plus avoir froid. Parce que là, c'est trop là. Là, je commence à bien sentir l'avant des épaules, mais aussi mes pecs. Parce qu'il faut savoir que plus ton banc est incliné, plus l'avant des épaules est sollicité aussi, que tu le veuilles ou non, malheureusement. Oh. Oh. Allez, là, je compte pas le temps de repos, c'est que de l'échauffement. Le but, c'est de se chauffer tranquillement le corps. On va commencer avec un peu de pompe, tranquillement. Hop. Histoire de faire des séries de 10 répétitions, bien descendre et bien monter. Ok. Poids de corps, c'est la base. Vraiment. Là, comme je sens que les pompes sont un peu trop faciles, je vais les faire avec un élastique, histoire d'avoir une petite résistance. Et de bien me tuer, d'accord? Parce que le but, c'est pas de rigoler dans cette séance. Le but, c'est de se faire mal. Allez, c'est parti. Un peu de pompe en serré. Bon, on va se faire des pompes maintenant déclinées, d'accord? Exercice que je fais souvent en salle, soit sur le rack halter, soit sur un banc. Là, j'ai pris une petite merde, tu vois, qui traînait, un petit tabouret. Le but est simple. Hop, tu mets tes mains aux extrémités. Hop, tu descends. Et quand tu remontes, hop, tu mets tes pecs en avant. C'est pas tu remontes en mode pompe, c'est pas tu fais ça. Tu descends et tu remontes vraiment en mettant tes pecs en avant. Hop, et tu verras, ça va bien bosser. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Hey.
poids de corps. Mais je t'assure que ça fait mal. Je t'assure que ça fait vraiment mal. C'est incroyable. Oh. Oh. J'ai décalé le banc pour que tu puisses mieux voir le mouvement. Ok. Ça, c'est un très très bon mouvement pour bien remplir les pecs. Vraiment. J'ai accroché mon élastique à ma barre de traction pour travailler les triceps comme on le fait à la salle avec la corde, tu vois. Le même exercice. Où je prends l'élastique comme ça et je balance ma série tranquillement. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est la technique du shib, tu vois, je l'appelle comme ça. Tu prends ton élastique, tu fais ça. Ça te fait un shib, clairement, ça te fait un shib. Mais avec ça, t'as une bonne prise pour bien aller chercher en bas. Et c'est beaucoup mieux. On va en faire 10. Allez. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Oh. Oh. Ce qui est bien, c'est que quand tu prends ton élastique en normal, tu peux choisir la difficulté, on va dire. Parce que ton élastique a déjà une résistance. Mais plus tu le prends haut, plus ça va être dur. Plus tu le prends bas, plus ça va être facile. Tu vois, donc tu fais un dégressif en mode où tu commences haut, hop, tu vas chercher tes reps, tu descends un peu, tu vas chercher tes reps, et tu finis en bas tranquillement, et tu te fais un petit échec. Tu peux faire ça aussi. Et comme je dis souvent dans les vidéos, pour avoir un gros bras, c'est important de bosser le triceps. Parce que le triceps, ça fait presque tout le bras. Le biceps, c'est rien du tout, c'est une toute petite partie comparée au triceps. Donc c'est important de bien hop, bosser ses triceps, bien aller chercher. C'est important, comme je le dis souvent, mais que beaucoup de gens oublient. Ils font que des biceps à la salle. C'est bien de les faire, mais ça va pas te faire avoir des gros bras malheureusement. Après, bien évidemment, je suis pas là pour te mentir non plus. C'est pas avec un élastique que tu vas faire grossir tes triceps. L'élastique, c'est vraiment quand tu veux le dessiner, quand tu vas avoir un triceps beaucoup plus tracé, beaucoup mieux. Mais si tu veux de la masse, il faut que tu travailles avec des poids, avec des charges. Par exemple, dans l'un de mes programmes, j'ai pris un halter et j'ai fait cet exercice-là. Hop, de l'extension triceps. Si t'as pas de barre, tu fais ça. Si t'as une barre, tu peux faire de la barre au front. C'est très très bien pour développer ses triceps. Tout ça, je l'explique dans un de mes programmes triceps que je mettrai peut-être à la fin de la vidéo, en vidéo recommandée, ou en fiche, tiens. Je mets en fiche programme triceps. C'est très très bien, parce que beaucoup de personnes me disent « Ouais, j'aurai des triceps, j'aurai des gros bras. Comment faire pour développer ses triceps? Est-ce que c'est bien de travailler à la poulie en faisant 20, 30, 40 reps, 50 reps, parce que tout le monde fait ça ?» Oui et non, d'accord. Travailler à la poulie, pour moi, c'est pas ce qui va faire développer tes triceps. Ce qui va faire développer tes triceps, c'est les vrais exercices où tu peux vraiment charger, comme la dips machine, les barres au front, extension triceps avec un halter ou deux halters. Ça, c'est des vrais exercices. Voir aussi, tu as les dips lestés aussi qui sont pas mal. Mais les dips lestés, pour moi, voilà, dans le développement du triceps, c'est pas le meilleur, d'accord? Tu peux l'utiliser, mais c'est pas le meilleur, clairement. Allez, on va repartir. Bon, là, clairement, j'ai remis mon pull. Parce que là, je serais souvent couché sur le sol, tu vois. Et le sol, il est froid, d'accord? Je suis chaud, mais le sol, il est froid et c'est mort. Je mets pas mon dos nu sur un sol aussi glacé. On va essayer de réapprendre à faire le front lever. Du moins, le reprendre là où je l'ai laissé. Et pour apprendre à faire le front lever, un des meilleurs exercices, c'est les tractions en mode front lever. Bon, j'ai pas le terme exact, d'accord? C'est-à-dire que tous ceux qui font du street workout, oui, c'est pas les... On s'en fout, d'accord? Le plus important, c'est de faire le mouvement et de bosser. D'ailleurs, je sais même pas si je vais réussir à le faire. J'ai pas essayé, hein. J'ai pas essayé, j'ai rien fait. Là, je l'essaye en live. Oh. Putain, je sens la mauvaise technique directe.
Oh putain. Bon, ça va. Ça va. J'en ai fait 4 et demi. Mais ça va. Bon, on va essayer de faire cet exo-là. Peut-être 3 ou 4 fois. Histoire de bien réapprendre mon corps. Et faire souvenir à mon corps que c'est bon. On va se remettre dedans tranquillement. J'ai regardé le rush précédent. Je suis assez fier de moi. Parce que ça, c'est un mouvement qui est très difficile et qui fait mal. Cependant, mon dos est pas droit. Normalement, mon dos doit rester droit et je dois bien me soulever. Mais là, on apprend, d'accord? On apprend, on est débutant. Et ce qui est bien sur cette chaîne, c'est que je suis pas le mec qui sait tout faire, d'accord? Je suis le mec qui apprend aussi avec toi. Donc, pour l'instant, on va rester avec ce mouvement un peu penché, bancal. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que mon corps apprendra le mouvement et aura acquis la force nécessaire pour ce mouvement, c'est bon, je pourrais me stabiliser. Parce qu'il faut que je comprenne aussi le mouvement, faut que je sois à l'aise, faut que voilà. Sinon, tu peux pas faire mouvement directement clean et directement propre. Et ça, c'est important, tu dois le savoir. En musculation, au début, que ce soit dans tous les mouvements, même pour travailler les bras ou les pecs ou quoi que ce soit, au début, tu vas faire un mouvement merdique. Tu vas faire un mouvement qui sera pas propre. Et au fur et à mesure du temps, tu vas comprendre le mouvement, tu vas te stabiliser, tu vas serrer les abdos. Et là, ça sera meilleur, clairement. Donc, à force de bosser, à force de pratiquer, tu vas réussir à devenir meilleur. Donc, voilà. On commence tous quelque part. Il faut le savoir. Faut pas avoir honte de rater, de tomber, de se faire mal. C'est très important. Bon, j'espère qu'on va pas se faire mal, nous. Mais c'est important. Allez. Ça fait mal que 5. Avant, je refaisais 10 au moins, mais là, tu vois, 5 ça me met déjà bien. Mais bon, on va faire plusieurs séries de 5 et la prochaine fois, on en fera 10 tranquillement. Moi, j'ai pas assez bien récupéré, mais j'ai envie de repartir. J'ai mal de fou. C'est incroyable. Le but, c'est pas de me bousiller non plus au front lever. C'est de comprendre. D'accord? On réapprend le mouvement. On comprend. Et aussi, le but, c'est de voir où mon corps en est par rapport à ce mouvement. S'il a complètement oublié ou s'il a encore des restes. Je vois qu'il y a un peu de restes, c'est pas mal. Il y a un exercice aussi qui est très bien, mais difficile. C'est la même chose, sauf qu'on reste en statique. D'accord? Ça fait super mal. Oh. Et le truc dans cet exercice, c'est qu'il faut bien gainer. Bien gainer les abdos, le dos et tout. Oh. Avoir un mouvement propre, c'est difficile. D'accord? Parce qu'il y en a qui vont monter, il y en a qui vont se stabiliser avec la barre. Mais moi, j'ai pas envie. J'ai envie de me préparer. Oh. 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 Donc, je m'en fous. Si je gagne 5, 10 secondes, c'est pas grave. Le plus important, c'est de gainer avec un bon mouvement. Encore une fois, le corps, il fonctionne par habitude. Si t'habitues pas ton corps, il évoluera pas. Malheureusement. En plus, là, avec la petite séance que j'ai fait, je sens que mon corps il tire de partout. C'est incroyable. Oh. Ça me fait des exercices d'étirement un peu. J'ai l'impression que ça étire mon corps quand je fais ça. Ouh. Oh. Puis ça, j'entends qu'il commence à pleuvoir. Donc ça veut dire qu'il va faire encore plus froid tout à l'heure. Oh. Allez. Je me décolle vraiment un tout petit peu du sol.
Mais je sens que j'ai mal quand même. C'est incroyable. Je continue à faire quelques reps tranquillement. Et je te retrouve pour la petite phrase de la fin. Donc voilà pour cette petite séance. J'ai fait vraiment une petite séance tranquille au garage, hein. Je voulais juste remettre mon corps en activité. Parce que comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de taf en ce moment avec les vidéos, les clients, les projets à livrer et tout. Et moi, je suis quelqu'un de très réactif et de très pointu dans mon travail. Donc quand j'ai un travail pour un client, je me mets à fond dessus pour que le client soit content et que moi aussi je sois content du travail que j'ai fourni à mon client. C'est très important. Là, j'essaie de faire plusieurs types de vidéos comme ça, où je m'entraîne un peu, je te donne 2-3 conseils et à la fin, un petit peu de front lever. Histoire de voir si je peux vraiment débloquer ce mouvement, voir si je peux apprendre à faire ce mouvement. Parce que pour faire ce mouvement, clairement, il faut bosser, il faut travailler. Et ça fait longtemps que voilà, j'ai envie de sortir un peu de la musculation pure. J'ai envie d'utiliser un peu le crossfit, un peu le street workout, histoire d'avoir un physique fonctionnel. Parce que là, mon physique de musculation, je l'ai, clairement. Le physique assez musclé, assez bien rempli, bien épais, je l'ai. Du moins, naturellement, je l'ai, je suis fier de ça. Et maintenant, j'aimerais avoir un physique fonctionnel. Un physique où je ne suis pas essoufflé H24. Un physique où je peux avoir des vraies performances, où je peux faire des muscle-up bien dynamiques, où je peux en faire plein. J'aimerais avoir ce physique-là et je vais avoir ce physique-là. Voilà l'objectif maintenant pour 2021. Physique, clairement. Toi, si t'aimais cette vidéo, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo. Ouais, c'est très important, hein, tes potes et tout. Ouais, faut qu'on développe cette chaîne. C'est très important. Si tu veux me voir plus longtemps ici, voir plus de contenu, c'est très important. Mais aussi, à me suivre sur Instagram. Là, je profite, je fais de la pub au maximum. Tu vois, au maximum. Sur Instagram, c'est très important. Bon, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.